Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Je m'en excuse. Bon, de toute façon, vous commencez probablement à être habitué un peu à ça. Là, j'ai une bonne excuse quand même. Je me suis dit, dernièrement, là, j'ai comme eu un gros élan de motivation, puis je me suis dit, là, let's go, je me mets à mettre... Voyons, m'as-tu y arrivé? C'est parce que ma caméra est comme placée à une place où c'est un peu difficile pour moi de me placer confortablement. Fait que, on va faire avec ce qu'on a. Je me suis dit, j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus... de façon régulière. Je mets mes efforts dans ma chaîne YouTube parce que j'aime ça faire des vidéos YouTube, puis je sais pas pourquoi, j'en avais pas tout le temps. Je me suis dit que j'allais commencer à faire des vidéos un peu plus comme dans ma vie, de vous montrer mon quotidien. Je sais pas si ça vous intéresse. Même si ça vous intéresse pas, je vais le faire quand même. Ok, yeah. Alors, aujourd'hui, j'ai commencé. Aujourd'hui, on est le 14 février, la Saint-Valentin. Voulez-vous que je vous montre qu'est-ce que mon copain m'a acheté? Je vais vous montrer. Alors, j'ai eu une rose comme cela, en chocolat. How cute! Et non seulement ça, hein? J'ai eu... Non, c'est pas vrai, ça c'est ce que moi j'ai donné un instant. J'ai eu ça! Regardez comme c'est mignon, une petite boîte de chocolat avec des lignes d'or que j'ai eu beaucoup de mal à ouvrir tout à l'heure, mais que j'ai réussi. Ce détail n'était pas important. Voilà. Bon, je savais qu'il y en a un qui... Ça ressemble à ça. C'est ça, c'est cute. Je suis vraiment contente. Moi, mes préférés, c'est les chocolats blancs. Puis, j'ai voulu empêcher la rose de tomber, mais j'ai lâché l'autre. Ça, c'est mon préféré. C'est des eggies. C'est comme des mini-eggs, mais c'est en tout peu. Fait que, je l'ai déjà mangé tout plein, comme vous pouvez constater. Je viens juste de le recevoir, mais je l'ai mangé tout plein. Parce que j'aime trop. Alors, regardez comment. Mais voyons, j'arrête pas de tout échapper. Ah, excusez-le, ça va pas, je suis mal à droite. Donc voilà, ce soir on va se faire un petit souper fondue au fromage. Je m'étais dit que j'avais pensé faire de la fondue au chocolat aussi, mais on va se calmer sur les calories. Hein, parce que fromage, ça commence à être beaucoup. Ce matin, je suis allée à l'école, à l'université. Je vous en parle pas vraiment souvent, mais je suis à l'université. À l'UQAM. J'ai filmé un petit peu, là, donc je vais vous montrer des petites scènes là, de à quoi ça ressemble à l'école, dans le bus, mon retour à la maison. Je suis allée chez Laure Photo. C'est un endroit tout près de chez moi pour faire imprimer des photos parce que là, j'ai des cadres dans mon salon qui sont toujours vides. Il faut vraiment que je mette les photos de l'air, regardez. Ça fait un peu dur, là. Puis là aussi, d'ailleurs, il y a comme une couche protectrice. En tout cas, une affaire par-dessus là, qui fait en sorte que c'est comme plus mat pour empêcher les graphignes et tout. Mais il faut que je l'enlève. Et je l'ai enlevé un sur deux. Donc là, j'ai deux cadres vides dans mon salon. Il est mou là. Non, mais fous-moi la paix. Allô, Momoun. Ah oui, puis je vais vous montrer. Mais excuse-moi, je suis comme. J'étais énervée de vous parler. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Regardez mon chat, comment il est prétentieux. Oui, le lit n'est pas fait. Là, je sais, il faut que je le fasse. Mais regardez ça. Il est mignon. Oh mon dieu, maman, je veux des caresses. Ok. Donc, c'est ça. Fait que je vais commencer à comme vlogger pour vous montrer un peu ma journée. Là, je vais essayer de faire ma to-do list. Je vais regarder sur ma to-do list ce que j'ai à faire aujourd'hui. Faut d'abord que j'envoie un courriel. Et c'est envoyé. On va cocher ça sur la to-do list. Je dois maintenant acheter mes passages de bus pour l'école. Because it's really expensive. Regardez comment mon portefeuille est cute. Il est vraiment mignon. C'est la marque Loungefly. Je sais pas comment je le prononce probablement mal, je m'excuse. C'est ma mère. C'est ma mère. Voyons, Dorian. C'est ma soeur qui m'a acheté ça pour Noël. Je l'aime. Juste, si tu regardes ça, je t'aime. Oh. Alors là, regardez pas parce que c'est ma carte de crédit. Il me reste une semaine d'école. Ben, oui, environ. Une semaine et demie. I'm so excited! Almost finished school! Là, grâce à vous, là, je suis en train de faire toute ma to-do list devant. Là, je veux vous influencer positivement à faire la même chose. Donc, en fait, je dis ça, puis je sais que, comme, probablement, t'es en train de regarder la vidéo, puis t'as zéro le goût de te lever. Puis c'est bien correct, tu sais quoi? Laisse faire ce que j'ai dit. T'as le droit de rester couché. Si t'es couché. Peut-être que t'es pas couché. Bon, là, vous savez ce que j'ai mis sur ma to-do list? Je sais, c'est vraiment con. Okay. Faut que je filme. Parce que, tu sais, là, le TikTok trend, là. Push me back, I'll push you back. Vous comprenez, là, c'est comme qu'on monte tous les mois de l'année. Il faut qu'il y ait un petit peu plus de lumière. Ça va être malaisant, là. Mais on est entre amis, donc on juge pas. La somme a freaked out! La somme a freaked out! Et que les gens ont de la niaiserie en faisant des TikTok, hein. Vous pouvez pas me juger parce que vous aussi, vous en faites sûrement des TikTok. Vous avez pas de l'air tout le temps intelligent, je veux juste vous le dire. M'excuse. Je pense que je vais le mettre en même place finalement. Je fais tout ce chemin-là pour finalement revenir en même place où j'étais. Bon!
On s'est fait. Le malaise est passé. Bon, maintenant, j'ai un devoir à faire. Love the uni life. Alors, mon devoir... De ce que j'ai fait comprendre par mes amis, c'est qu'il fallait que... Ben, par mon ami, en fait, là, je fais comme si j'en avais plein, mais il y en a juste une qui me dit quelque chose par rapport à ça. Faut que j'écoute une vidéo, puis mon enseignante va m'expliquer c'est quoi le devoir que j'ai à faire. Donc, time lapse de Loulou qui fait un devoir. Ok, donc si ça vous tente de le faire vous aussi à la maison, c'est un travail à la manière de l'artiste Archimboldo. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Il a fait cette œuvre-là. Puis là, moi, je dois imprimer une photo de moi. Je dois l'imprimer. Fun fact à propos de mon appartement, mon imprimante est dans le garde-robe. C'est tellement ridicule comme lieu pour imprimer des documents. Je dois découper des fruits et légumes. Oh, les raisins du IGA. Seulement 1,88 la livre cette semaine. Sauter sur l'occasion, tout le monde. Alors, je vais découper ça. Parce que, oh, jackpot! Jackpot! Il y a tous les fruits et légumes, mais là, mon Dieu, sont sur la même page. Et que ça va mal avec ça. Ça prend tellement de place. Ah, c'est tellement une bonne idée. J'aime ça quand on est dans les travaux, on doit faire du bricolage. Alors, j'ai mis autour de mon visage des fruits que j'aime et légumes, des fruits et légumes. Puis ça a donné ça. Il y a comme une pomme sur ma tête. Alors voilà, et là, il faut que j'écrive un texte. J'ai fini un autre travail. C'était une journée très productive. Ben voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser des thumbs up. Puis on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Love you guys!